Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une petite review du stuff qu'a à nous proposer Lord Salad pour cette nouvelle saison de la Bannière de Fer. Donc une saison qui, je le rappelle, durera du 26 janvier au 2 février prochain. Donc on va voir un petit peu ce que l'on peut se procurer en l'échange d'écus légendaires en passant différents rangs de factions de cette bannière. Donc il faut savoir que je vous ai pas présenté les capacités des différents items de classe. En général, c'est toujours la même chose. Ça vous permet d'augmenter votre réputation dans la Bannière de Fer ou dans l'épreuve en fonction de l'item que vous choisissez et d'améliorer plus rapidement vos armes, donc fusil automatique, revolver, etc., etc. Et on commence bien évidemment avec le chasseur. Donc vous le verrez, cette semaine on est très axé item de classe. Donc le chasseur avec la fameuse cape que beaucoup d'entre vous possèdent déjà, la cape du bois au loup. Alors c'est mon avis personnel, mais je la trouve pas franchement très jolie, du moins pour le bas de la cape. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle je pense que je ne m'orienterai pas vers cet item cette semaine. On retrouve également la cape de Camelot de fer, donc je la trouve encore une fois très particulière, cet effet côte de maille, il faut vraiment aimer, c'est très spécial. Et enfin vous avez une armure de torse, donc la veste du compagnon de fer, donc qui est très jolie, qui je trouve a un très beau design, très bien travaillé sur le devant. Côté capacité pour ce torse, vous pourrez augmenter la quantité de munitions pour les revolvers que vous pouvez porter sur vous et vous bénéficierez d'un délai de récupération plus important pendant 5 secondes après avoir subi des dégâts de zone solaire. Et donc on va pouvoir continuer avec le titan, faire une petite review des items du titan, donc le fanion du bois au loup. Donc à l'inverse, je trouve que les fanions en bannière de fer pour les titans sont vraiment très jolis, particulièrement celui-ci, la marque de Camelot de fer, je la trouve vraiment sympathique, je trouve que ça va très bien sur un titan. Ensuite vous avez un torse, alors je vais changer de camouflage dans le screen juste après, ce qui va vous permettre de mieux apprécier ce torse. Donc il a rien de spécifique, il a juste la gravure à l'effigie de la bannière de fer, donc comme vous pouvez le voir sur le screen actuel. Donc avec ce torse, vous pourrez augmenter la quantité de munitions pour le fusil automatique que vous pouvez porter et vous pourrez récupérer plus rapidement votre santé après avoir subi des dégâts de zone de type abyssal. Et enfin, on termine avec l'arcaniste. Donc on va pouvoir présenter un petit peu les brassards de l'arcaniste, à savoir le brassard du bois au loup que je trouve très sympathique et que je crois j'ai déjà. Vous avez également le brassard de Camelot de fer que j'ai également. Au niveau du torse, ce sera le plastron du compagnon de fer. Donc un torse avec un design plutôt sympa avec la petite lanière qui descend. Et donc côté capa pour ce torse, vous pourrez augmenter la quantité de munitions pour les fusils auto que vous pouvez porter sur vous. Et vous pourrez augmenter votre délai de récupération pendant 5 secondes après avoir subi un dégât de zone de type cryo-électrique. Et on termine enfin avec les deux armes de cette semaine, le devoir de Colovance, fusil éclaireur que j'ai vraiment hâte de me procurer, et l'envol d'Ashraven, le fusil à fusion. Concernant le devoir de Colovance, vous pourrez bénéficier d'une meilleure acquisition de cibles avec cette arme et sa stabilité se verra augmentée plus vous infligerez des dégâts. Concernant l'envol d'Ashraven, vous recevrez un bonus de précision pendant un court instant après avoir saisi cette arme en main et l'acquisition de cibles sera elle aussi améliorée. Donc voilà, c'est tout, on a fini notre petite review du stuff de Lord Salad pour cette semaine. Donc si jamais vous êtes un fervent admirateur de la bannière de fer, je vous invite à vous procurer tous ces stuffs. Sinon, je vous conseille en revanche de bien garder vos écus légendaires au chaud, pourquoi pas pour une prochaine session de la bannière de fer. En ce qui concerne les armes, je trouve que le stuff de cette semaine n'est pas vraiment intéressant. C'est la fin de cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Ciao tout le monde!